Vendredi 22 juillet 2021, gros bonjour et gros bonsoir pour tout temps fanatique quand tu vis la caillou. Son plaisir pour nous avec vous après-midi à la pour une petite vidéo d'information ça pour vous. Et n'a profité remercier avant même nous entrer dans le détail parce que en dans vidéo ça quand pile information qui pral et bien peut-être faire triste ou bien tout qui pral peut-être changer et bien penser au comportement et bien ou te gagner avant parce que je dis à la bagaille vraiment prend yon l'autre niveau concernant assassinat président République là. N'a profité remercier avant même donc nous quitter vidéo à fini chaque grand monde et qui toujours été connecté sur TV la caille tout si là au nouveau abonné nous ancien abonné nous tout le monde qui pas jamais lagué nous n'a dit merci pour fidélité ou merci pour confiance ou merci pour choix ou faire de nous tout comme dans canal qui là pour informer ou quel que soit circonstance quel que soit chance aille et bien nous toujours été fidèle avec ou même genre ou même ou été fidèle avec nous. Gay premier ministre, ancien premier ministre Evans Paul, qui lui-même pété, crié, donc pendant l'étape, eh bien, by dernier mot, témoignage parle pour la mort président de la République qui était assassiné dans la date qui était, et donc 6 pour 7 juillet 2021, et puis gay chef cabinet président de la République tout, qui c'est Naom Dorville, et eh bien, monsieur lui-même, mes amis, c'est aglonagé, presque tout le monde pas kakembe. Et puis l'autre actualité, André Michel, monsieur attaqué États-Unis pour nouveau gouvernement qui formé avec Ariel Henry, et monsieur vraiment cassé, mettez dans les États-Unis qui peut-être font pause. C'est eux-mêmes qui chef pays ça, c'est eux-mêmes, et eh bien, qui a décidé pour Haïti, et eh bien, secteur démocratique là, André Michel, précisément, pas accepté dossier ou bien choix. Et donc Ariel Henry comme nouveau premier ministre pays d'Haïti qui lui-même pral et bien que pour faire élection dans date cap venir là mesdames et messieurs nous pas parler plus que ça en nous entrer dans en information pour nous attendre et bien déclaration Evans Paul avec un chef cabinet président République là et en plus André Michel mesdames et messieurs pral et bien dit nous causer que le dans Jack côté pour États-Unis n'a tourné abonner liker partager commenter vidéo guys n'a pour nous pour une nouvelle indignation c'est inacceptable pour yo assassiner un président. Mais assassiner un président, c'est un exemple de toute une ambiance d'intolérance, de toute une ambiance de confrontation inutile qui a détruit le pays. Alors, je dis à nous, on fait son drame national qui doit faire nous un pays à l'autre gens. Pays n'a pas qu'à vivre sans sa diversité. Pays n'a pas qu'à vivre sans ses contradictions historiques, ses contradictions sociales. Dans le temps, toute contradiction, il faut que nous joignions en tente. C'est ça, nous voulons vivre ensemble. Dans. Pour que nous allions à l'école, pour nous manger, pour nous gagner la priorité, pour nous jouer justice. Pour nous jouer une sécurité, pour nous suspendre tous les gens sous Bel Air, pour nous suspendre tous les gens Matissan, pour nous suspendre tous les gens Cité Soleil, pour nous suspendre tous les présidents. Depuis 1806, nous avons tous les gens. Il est pour nous suspendre. Quel était Diego Charles, quel était Bâtonnier, quel était Jovenel Moïse, petit pays, pas qu'on doit mourir par violence, et nous pas qu'on doit accepter ça, il faut que nous condamnions. C'est ça le sens de mon engagement, de mon message. Il faut que tout le monde qui mourit, mort violence, mort assassinat, joue une justice sans discrimination. Merci beaucoup. Moi-même, je ne suis pas juge. Je ne suis pas la police. Je pense que gagner. Autorité placée pour faire une enquête. Je ne vais pas stigmatiser personne. Mais il est clair que tu as un antagoniste. Il est clair que le président a mené un combat, il a des positions. Il est clair que nous sommes un peuple intolérant. Il est clair que tu as assassiné le caractère. Toute la journée, tu es responsable. Tout mal le pays. Jovenel Moïse a dirigé le pays de 2017 à aujourd'hui. Moi, depuis que je connais le pays, je connais son pays pauvre. Je dis à la président, comme après si le pays a suspendu pauvre. Je pense que nous ne pouvons pas parler comme ça. Il faut nous faire la part des choses. Je ne peux pas dire, monsieur Moïse, c'est ton saint. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de défaut. Qui est-ce dans nous qui n'a pas de défaut? Qui est-ce dans nous qui sont saints? Alors, parce qu'on a une faiblesse,
parce qu'on moun fait ouais fait autour pour ça, je n'accepte pas ça. Est-ce qu'on pense au nouveau gouvernement ça m'pa konnen m'pa prophète m'ta souhaité ça moi même moi pense que m'pa ka contester toute bagaille m'ta bien content bon gouvernement qui résout problème yo mais malheureusement nous contester toute bagaille pour un monde bon dans pays il faut mourir pour bon faut pas président faut pas ministre faut pas premier ministre faut pauvre faut enterrer faut suspendre faut nous apprendre solidariser avec l'autre monde je dis à des monde qui sous pouvoir nous ka baou tout monde nous ka aller de facto c'est mon défaut de facto son situation yo qui monde ka répéter de facto comme si m'ta dou ça veut dire criminel de facto veut dire ou qu'on doit manquer en légitimité bon situation qui fait c'est ou là là c'est pour faire job ou faut justement nous travailler pour nous retirer pays dans ambiance d'ambiguïté politique pour nous retirer dans situation de gouvernement de facto c'est ça me souhaiter et faut nous gagner au minimum de tolérance pour nous solidariser avec l'autre ça qui fait blanc pour bouche dans parole nous parce que nous pas entendre nous on a détruit l'autre on a tué l'autre faut nous suspendre si nous pas suspendre n'a toujours tourner esclave en bas pied tablan c'est ça me pas souhaiter moi même pas qu'il y ait un consensus dans le pays pas un citoyen qui prend conscience tout côté gain division division dans parti politique division dans gouvernement division dans société civile ça veut dire consensus tout le monde entend sur un bagaille c'est division qui a mené je dis à nous parler de PHTK qui a gagné 10 ans depuis la gérer pays peut-être si on PHTK vrai mais moi je dis pays a gagné 217 ans est-ce que 207 ans avant pays a marché bien nous en faisons constat d'échec de génération en génération gon effort pour nous faire pour nous suspendre tout et l'autre moralement pour nous suspendre tout et l'autre physiquement moi même c'est sens message moi parce que je dis c'est monsieur Moïse yo touyé demain c'est pas nous l'autre monde va connait qui est la pire je dis à ce gouvernement qui là qui de facto demain matin n'importe qui nous là qui rive sous pouvoir soit y a dit nous mal élu c'est une base dans l'élection soit nous dit c'est de facto c'est notre dans négociation fon suspend pour nous prendre destiné pays en main c'est sens message moyen à tout citoyen haïtien quelle que soit position politique yo que opposition que au pouvoir nous toutes c'est Haïti nous toutes de faire effort pour Haïti avancer pour suspendre dans vie ambiance de vie nouvelle de crime de assassinat jusqu'à ce que nous arrivions pour tout un président en dans la Kaili ça c'est une honte nationale je prends Moïse a été pour moi tout cela là quand on s'est rassemblé à la chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, on s'est tout de suite reconnu. Deux petites sauvettes qui ont durement travaillé pour obtenir le respect de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines. Deux nègres des lions qui n'avaient aucun grain en eau, la caille aucun orfèvre. Qui pourrait les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est devenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur, Jovenel Moïse, l'homme d'affaires, Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique. Et j'ai pris plaisir à travailler avec son excellence, M. Jovenel Moïse, le président de la République. Et je ne le regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ses actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tenu. Toutes ses décisions étaient prises dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Communauté internationale, pas fait ingérence dans les affaires pays à Jodia.
communauté internationale qui était haïtien haïtienne travaille ensemble pour chercher une solution dans la crise là. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc c'est ça l'a fait là, l'a continué pousser premier ministre, l'a pousser gouvernement, ça pral mettre pays en plus crise, ça pral mettre nous dans situation d'instabilité politique parce que personne ne peut accepter que ces communautés internationales là qui viennent bay dicter qui pour dire qui ça qui pour faire parce que les Jovenel t'a crasé toute institution dans pays là, communauté internationale pas dit rien. Les Jovenel mandat t'est fini 7 février 2021, ils font coup d'état pour qu'il y ait pouvoir par la force, communauté internationale t'est bébé tout avec lui. Aujourd'hui, si nous avons une situation exceptionnelle. Côté pas aucune solution constitutionnelle, communauté internationale là, les responsables, même gens avec Jovenel Moïse. Communauté internationale là complice, parce que vous te mettez ensemble avec Jovenel, vous écrasez toute institution, vous te mettez ensemble avec Jovenel, vous font coup d'état 7 février 2021, le mandat Jovenel Moïse de fini. C'est ça la vérité, et cette vérité, personne ne peut pas gagner, pas qu'à quitter le tombé. Jodia, secteur démocratique là a travaillé. Avec les différents secteurs de la vie nationale, secteurs politiques. Matin, nous faisons une grosse réunion avec eux. Demain matin, nous faisons une grosse réunion. Nous travaillons tout avec la société civile là pour nous capables de proposer à la nation haïtienne, sans délai, le plus vite possible, une formule pour nous résoudre la crise politique qui vient là aujourd'hui. Et secteur démocratique là a brûlé encore. Pas aucun groupe politique qui est capable imposer aucune solution là. Solution 1, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Quel que soit groupe société civile ou bien groupe politique qui met en tête, il lève un matin pour dire voici la solution, il trompe, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça que nous-mêmes nous disons, nous ne pas attachés à aucune solution particulière. Nous ne sommes pas attachés à aucune proposition particulière. Nous voulons une solution consensuelle pour nous tous ensemble, pour nous capables de sortir du pays à notre salaire.